Est-ce que par rapport à ce qu'on avait déjà vu et par rapport à l'application qu'on avait traitée la séance précédente, est-ce que vous avez des questions? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc là, au titre de ce qu'on avait déjà vu et au titre de la première application, donc on va passer à la deuxième, on va passer à la deuxième application, deuxième exercice. Donc on vous dit le 1er avril 1-4-2020, donc il y a constitution de la société de la d'une SA au capital divisé en actions de 100 dirhams chacune. Les apports en numéraire sont libérés à hauteur du un quart, soit une somme de 1 million de dirhams, déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Les apports en nature sont décrits comme suit: matières premières 600 000, mobilier de bureau 300 000, créances clients 200 000, matériel et outillage 400 000. Et bien sûr, ces apports en nature, ils sont grevés de dettes que la société accepte de prendre en charge, qui est de combien ces dettes fournisseurs s'élèvent à combien? À 500 000. Donc d'abord, on nous demande de déterminer le nombre d'actions qui composent. Alors, le nombre d'actions qui composent le capital, qui compose avec ENT. Voilà. Il compose le capital et puis on comptabilise la constitution au journal. Et ensuite, on nous dit que la société décide au 1er septembre 2020 d'appeler le deuxième quart à livrer avant le 1er octobre. D'accord? Donc, le 30 septembre, tous les associés ont répondu à l'appel. On nous demande de comptabiliser l'appel et la libération du deuxième quart. D'accord? Donc là, donc je vais ouvrir Excel, voilà, pour qu'on puisse travailler l'application. Parfait. Alors, exercice 1. Parfait. Alors, vous avez pris note de l'énoncé. Donc, je vais partager avec vous fichier Excel. Alors, oui, pour le PDF, je partage avec vous le support. Donc là, je stabilise le chapitre 1. Et je le partage avec vous. Répétez explication de l'exercice 1. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'exercice 1? Oui, Rabia Azeikou. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'exercice 1? Pour que je puisse aller droit au but. Donc, en tout cas, au niveau de l'exercice 1, on avait quoi? On avait juste une opération, j'irais, on avait un enregistrement simple. Et il a fallu chiffrer les apports. Donc là, on a un apport en numéraire de 100 000. On a un apport, des apports en nature, respectivement fonds commercial 400 000, terrain nu 80 000. Matériel, transport 70 000, marchandises 100 000 et des dettes de financement de 50 000. Donc, il a fallu, voilà, enregistrer au livre la constitution de cette société,
sachant que les apports en minéraux sont intégralement libérés. Donc là, alors, je vais juste arrêter le partage. Voilà, donc voilà ce qu'on avait fait de la. Voilà, on a calculé déjà le montant du capital social. Donc on a un apport en numéraire de 100 000. On a les apports en nature, les apports purs et simples. 400 000, 80 000, 70 000 et 100 000. Et on a, pour un titre onéreux, d'accord, les dettes de financement, c'est 40 000. Et donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire un capital social qui est égal à la somme de tous les apports moins les dettes de financement, soit un total de combien? Un total de 700 000. Et donc, ces 700 000, bien sûr, on va les enregistrer. D'accord? Donc, on va enregistrer d'abord la souscription de capital par les associés. Et donc, la souscription, il est enregistré par débit du compte 3461, associé compte apport en société. Ou n'ayant associé compte apport en société, que la séance précédente, on peut la décliner. On peut créer des sous-comptes. On peut créer un compte divisionnaire, un compte divisionnaire 34611, d'accord, pour les apports en numéraire, 34612 pour les apports en nature, d'accord. On peut éclater. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous contenter des comptes à 4 chiffres. D'accord? Donc, on débite les comptes associés, compte d'apport en société de 700 000. En contrepartie, on crédite le compte capital social de 700 000. Et une fois la libération est faite des différentes composantes du capital, on va bien sûr. L'apport en numéraire, puisque il a été versé au niveau du compte bancaire de la société. Donc, on va débiter le compte banque de la valeur de l'apport en numéraire, en l'occurrence 100 000. D'accord? Et puis, par la suite, on va débiter les comptes correspondant aux autres éléments de l'actif. Fonds commercial 22-30, on va le débiter de 400 000. Terrain 23-11, on va le débiter de 80 000. Matériel transport 23-40, on va le débiter de 70 000. Et stock de marchandises, on débite le compte marchandises 3111 de 100 000. Et en contrepartie, on va solder le compte associé, compte apport en société, et on va constater la dette de financement, d'accord? L'IA, c'est un apport à titre onéreux, d'accord, on va là l'enregistrer au niveau du passif au crédit du compte 1481, emprunt auprès des établissements de crédit. Pourquoi? Parce que l'entreprise, la société a accepté de prendre en charge cette dette de financement et de continuer à la payer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'enregistre comme étant un passif que cette société accepte de prendre en charge. D'accord? Donc voilà, et bien sûr, au total, on vérifie que les deux écritures sont équilibrées. Donc, total mouvement débit 750 000, total mouvement crédit 750 000 également. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, les apports en numéraire, c'est les apports en argent. C'est les apports en argent frais, en liquide. D'accord? Les apports en nature, c'est les apports d'actifs. Soit des actifs immobilisés, soit des actifs circulants, stock de marchandises ou créances clients. D'accord? Donc ça, on les appelle apports en nature. Les apports en numéraire, c'est des apports en argent frais. D'accord? En liquide. Voilà, donc on passe à l'application
ou à l'exercice 2. Donc, au niveau de l'exercice 2, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, donc là, constitution de société. Et on nous a dit que les apports en numéraire libérés à hauteur du 1 quart s'élèvent à 1 million de dirhams déposés dans un compte bancaire. Donc déjà, on va poser les différentes informations. Donc je vais écrire mes exercices 2. Alors, je vais partager avec vous ce fichier Excel à la fin de séance. Donc exercice 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Apport du 1 quart. 1 quart du capital. Bien sûr, numéraire. Pour la partie numéraire, combien? Donc là. 1 million de dirhams. Parfait. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a après? On nous a dit les apports en nature, H-9, les apports en nature. La Apports en matière nature, première. matière première. Combien? Donc, matière première. Je crois qu'on a les mêmes éléments. Donc maintenant, matière première, 600 000. Un immobilier de bureau. Alors, un mobilier de bureau. Trois cent mille. Donc 300 000, je prends note. Créance client. Séance client. 200 000. Donc 200 000. Matériel et étuyage, quand 300 000. Matériel et outillage. 400 000. Les dettes fournisseurs, Et 500 000. dette fournisseur. Cinq cent mille. Alors, bien sûr, on peut tout suivre les dettes fournisseurs. Alors, maintenant, apport du 1 quart au numéraire, 1 million de dirhams. Les apports en nature, c'est matière première, mobilier, créance client, matériel et outillage. Et apport à titre onéreux, c'est des dettes fournisseurs de 500 000. Mais quand on dit apport à titre onéreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une composante des apports en nature est grevée d'une dette, d'un passif. Et ce passif-là va venir diminuer la valeur du capital. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a apport du 1 quart du capital en numéraire de 1 million de dirhams. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la valeur de je dirais des apports en numéraire d'accord souscrit et combien donc là 1 million de dirhams il représente le... ça veut dire quoi représente le 1 quart 4 millions de dirhams. Et 250 000. Ça veut dire non, 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 non. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'énoncé? Dans l'énoncé, le Khalali comme l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous a dit 4 millions d'euros. En libéré, libéré à hauteur du 1 quart.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 1 million de dirhams, il représente le 1 quart du capital. Et donc, là, bien sûr, on va multiplier par 4. Donc, ça va nous faire un apport total en numéraire de combien de souscrits? De 4 millions de dirhams. À peine 1 million de dirhams et les souscrits et les libérés à la création. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur totale, le montant total du capital, il est égal à combien? 5 millions, 5 millions, je pense. Alors, donc ça va nous faire, bien sûr. Maintenant, c'est l'apport en numéraire, la valeur des apports en nature, net de l'apport à titre onéreux, combien? C'est la somme des apports de matières premières, de mobilier, de créances clients et de matériel d'outillage, déduction en fait de quoi? Du dette fournisseur. Donc, ça veut dire que les apports en nature totalisent donc, 1 million de dirhams. Et donc, ça veut dire que le capital social de cette société, il s'élève à combien? Il s'élève à 4 millions de dirhams plus 1 million de dirhams. Parfait. Un total de 5 millions de dirhams. D'accord? C'est bon, c'est clair ce que je viens de faire? Oui, monsieur. Parfait. On nous a demandé, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de déterminer le nombre d'actions qui composent le capital. Bien sûr, la valeur nominale par action, il est de combien? Il est de 100 dirhams. Ça veut dire que le nombre d'actions, composant le capital, il est égal à 5 millions sur 100. Ça fait combien? Ça fait 50 000 actions. D'accord? Donc, le nombre d'actions composant le capital s'élève à combien? S'élève à 50 000. Est-ce clair? Oui, monsieur, oui. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, on va procéder à l'enregistrement des écritures relatives à la constitution. La première écriture, c'est quoi? C'est l'écriture relative à la souscription. C'est l'écriture relative à la souscription. Donc, on va reprendre la même chose. Donc là, bien sûr, on a la possibilité, si on veut, on a la possibilité d'éclater en deux. D'accord, associer compte d'apport en numéraire, 34611, et associer compte d'apport en nature, 34612. D'accord, on a la possibilité de le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, le capital souscrit, il est de combien? Il est de 5 millions de dirhams. D'accord, donc ça va nous faire un montant de capital souscrit par les actionnaires. Bien sûr, quand il s'agit d'une S1, on parle d'actionnaires. Le montant du capital souscrit par les actionnaires, il est de 5 millions de dirhams. D'accord? Maintenant, on va enregistrer ensuite l'écriture relative à la libération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, on a le même, je vais prendre le même modèle. D'accord? Et donc là, on va, j'irai renseigner les, au niveau de, on va débiter les différents éléments apportés. Donc là, l'apport en numéraire, il a été versé au niveau de quoi? Au niveau du compte bancaire. Donc on va débiter le compte banque. De combien? De la valeur de l'apport en numéraire. Ensuite, on va renseigner les différents apports en nature. Donc, qu'est-ce qu'on a comme apport en nature? On a, on les classe dans l'ordre. Maintenant, mobilier de bureau. Donc, mobilier de bureau, c'est 23,51. Mobilier de bureau, pour combien? Mobilier de bureau, pour 300 000. Alors, avant cela, normalement, matériel et outillage. Matériel et outillage, c'est quel compte? 23,32. 23,32, matériel et outillage. Parfait. Combien? 400 000. Ensuite, on va renseigner les stocks de matières premières. Les stocks de matières premières, c'est quel compte? C'est le compte? 31-21, matières et fournitures, rien que c'est ça? Consommables. Pour combien? Pour 600 000. Et il nous reste les créances clients. Et on va les enregistrer, bien sûr, au début du plan. 34, 21 clients. Pour combien? Pour 200 000. Pardon. Oui? Matière et fourniture consommable, c'est le compte 31-22. 31-22, oui, vous avez raison, effectivement, 31-22, tout à fait. D'accord? Donc là, bien sûr, on a libéré, d'accord, la partie du capital. D'accord? Donc là, on modifie déjà. 31, 22. Et bien sûr, la contrepartie va être quoi? Comme on avait vu auparavant, d'accord? En solde. Normalement, si c'était un apport intégral, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait solder le compte 34-61. D'accord? 34-61. Mais dans le cas où on a une libération partielle, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau du cours? Il a un ojal le cours. J'arrête le partage et je reviens au cours. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau du cours? On avait dit que quand le capital n'est pas intégralement libéré, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On va mouvementer le compte, un compte actionnaire capital souscrit non appelé. Donc la partie du capital non libéré à la constitution, on va la loger, d'accord, au niveau du compte, d'accord, 1119. D'accord? 1119.
Et donc, là, il va falloir au niveau donc de l'énoncé, donc je reviens au fichier Excel. Donc là, au niveau du fichier Excel, là, bien sûr, donc, on renseigne les différents apports. Et donc, pour la partie de l'apport, là, on a mis la souscription intégralement, d'accord? Mais il faut prendre en considération la partie de l'apport qui ne va pas être libéré au départ. Et donc, c'est cette partie-là qui ne va pas être libérée au départ, il faut pouvoir l'enregistrer, d'accord, la prendre en considération au moment de la constitution. Donc là, bien sûr, on peut solder le compte 34-61 à hauteur des apports qui sont faits. On peut solder, d'accord, le compte 34-61 à hauteur des apports qui sont faits. Donc 34-61, ok, associé. D'apport en société, enfin, à hauteur de combien? À hauteur du total des apports qui sont faits, bien sûr, net et dette. Ça fait combien? 2 500 net des dettes fournisseurs. Bien sûr, on va créditer 44-11 fournisseurs. Bien 500 000 et la valeur du capital qui est libéré, il est égal à combien? Il est égal à 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams. Non. 2 millions de dirhams, il correspond à quoi? 1 million de dirhams, c'est l'apport en numéraire libéré et 1 million de dirhams, c'est l'apport en nature qu'on a calculé. Alors, on a là, apport en numéraire, normalement, c'est apport en nature. Apport en nature souscrit. Bien sûr, la partie qui n'est pas souscrite, où est-ce qu'on va la loger? On va la loger comme étant une créance envers les actionnaires. D'accord? Donc, la partie qui n'est pas souscrite, on va la loger comme étant, une dette envers les actionnaires. Et donc, celle-ci, on va la mettre, bien sûr, au niveau du compte, comme on l'avait dit, 1119. Alors, on va le former. Donc, toujours la description, bien sûr. Donc là, on solde le compte 34-61. Donc, là, bien sûr, on va débiter le compte 1119. Donc 1119, c'est le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Capital souscrit non appelé. D'accord.
Et on va créditer le compte 3461 pour le solde. 3461 associé. D'abord en société, à hauteur de combien? À hauteur de la partie du capital qui n'est pas libérée. Donc la partie du capital qui n'est pas libérée, elle est de combien? Je vous écoute. La partie du capital qui n'est pas libérée, donc là, là on a... Effectivement, donc là, apport en capital donc, pour la partie numéraire libérée, donc 1 million de dirhams, le total apport 4 millions de dirhams, donc ça veut dire qu'il reste à libérer combien? Il reste à libérer 3 millions de dirhams. Donc, 3 millions de dirhams vont être logés. Vont être logés. D'accord? Pour constater quoi? Constater, constatation. De la part du capital non libéré. D'accord? D'accord. Donc là, bien sûr, on a également la possibilité, si on le souhaite, on a la possibilité donc de matérialiser, d'enregistrer l'écriture autrement, en matérialisant la souscription, d'accord, et ensuite, d'accord, en matérialisant la souscription, et ensuite, donc cette écriture-là, on matérialise la partie, on solde le compte 3461, rapport, en distinguant la partie qui va être libérée de la partie qui ne va pas être libérée, toujours à la souscription. Donc là, bien sûr, 5 millions. D'accord. Et là, bien sûr, toujours à la date de souscription, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder le compte 3461, associé,
qui laisse des exercices sur l'Ukraine, je vais partager avec vous également en sus. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Ok, donc on termine notre exercice. Donc, la deuxième question de l'exercice, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que voilà, le 1er septembre 2020, bien sûr, ça, c'est à quel, là, les écritures relatives à la souscription et à la libération, ils remontent au 1er avril 2020. Donc, on a rien maintenant, 1er avril 2020, le 1-4-2020. Généralement, il y a un délai, d'accord? Il y a un délai de quelques jours, donc... de quelques jours, d'accord? Donc, ça va être fait au courant du mois 4 également. La libération au mois 4, bon, généralement avant la fin du mois. Donc, généralement, ça va être entre le 25, au fur et à mesure, le 25 et la fin du mois d'avril. Là, c'est maintenant, une fois le capital est appelé, donc la souscription est faite. Une fois le capital est appelé, les actionnaires, ils ont un délai de 30 jours pour libérer leur part du capital. Donc, supposons que c'est le 25 avril. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit ensuite que le 1er septembre, la société décide d'appeler le deuxième quart du capital à libérer. Donc, le deuxième quart du capital à libérer, bien sûr, on a compris le mois là. Le deuxième quart des apports en numéraire. D'accord? Donc, le deuxième quart du capital à libérer, il est de combien? Il est également de 1 million de dirhams. Le premier quart était de 1 million de dirhams. Donc, le deuxième quart, il est également de 1 million de dirhams à libérer avant le 1er octobre 2020. Donc, on nous a dit dans l'énoncé que le 30 septembre, tous les associés ont répondu à l'appel. D'accord? Et on nous demande de comptabiliser l'appel et la libération du deuxième quart. Donc, comment on va faire? Donc, au moment de l'appel, d'accord? Au moment de l'appel, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'appel, il a lieu. Alors, je vais copier juste le schéma. Donc, l'appel, il a lieu quand? Il a eu lieu le 1er septembre 2020. D'accord? Et donc, à la date de l'appel, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder, on va diminuer le compte 1119, les voies actionnaires capital souscrits non appelés, à le solde dialogue. C'est 3 millions de dirhams. Correspond à quoi? Correspond à la partie du capital, à la partie du capital non encore libérée. On a le total. Apport en numéraire souscrit, 4 millions de dirhams. La partie libérée à la Constitution, 1 million de dirhams. Donc, il reste à libérer 3 millions de dirhams. Donc, challenge 9, le compte capital souscrit non appelé, 3 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au 1er septembre, une fois l'appel est fait, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte 34. 62. Alors, 34-62, capital, souscrit, appelé, d'accord, et non versé. Combien? Alors, combien? 1 million de dirhams. D'accord? Et on va diminuer le compte 1119, les rois, capital
capital souscrit non appelé de combien? De 1 million de dirhams également. D'accord? Donc, Adam appelle tout à l'heure, on n'a pas modifié, je n'ai pas modifié Naya, donc Naya va se capital. D'accord, souscrit non versé. Alors, Naya, qu'est-ce qu'on va mettre dans le libellé de l'opération? Appel. Du deuxième quart. D'accord, deuxième quart du capital. Capital en numéraire. Bon. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit au 30 septembre, voilà, au 30 septembre, tous les associés ont répondu à l'appel. D'accord? Ça veut dire que tout le monde a libéré sa part. Et donc, si tout le monde a libéré sa part, qu'est-ce qu'on va constater? Alors, au 30 septembre, on va procéder à la constatation de la libération du capital. Donc, 30 septembre. Hop. Bien sûr, on a activé le compte 3462. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder le compte 3462. Associé capital. Souscrit. Et non versé, on va le solder. Pourquoi? Bien sûr, 1 million de dirhams. Pourquoi? Parce que on a reçu l'ensemble des apports qui ont été appelés au niveau bien sûr du compte bancaire. Il y en a, c'est des apports en numéro qui ne peuvent être versés qu'au niveau de la banque. Et donc, on va d'éviter le compte banque. Combien de 1 million de dirhams. Donc là, bien sûr, dans les dans le libellé de l'opération, on va mettre libération du deuxième quart du capital en numéraire. C'est bon? Est-ce que est-ce clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Monsieur? Alors, non, ce n'est pas 5 millions de dirhams. Le capital, il est de 4 millions de dirhams. Alors, je vois certains échanges entre vous. Donc, on a le capital social et de 5 millions de dirhams. Non, le capital social, il est composé de deux composantes. Il est composé d'apport en numéraire, d'accord, et d'apport en nature. L'apport en numéraire, 4 millions de dirhams. L'apport en nature, 1 million de dirhams. Donc, dans l'énoncé, la partie du capital qui a été libérée, d'accord,
il correspond à un quart des apports en numéraire. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un million de dirhams, il représente le un quart des apports en numéraire. Donc, quand je considère qu'un million de dirhams, c'est un quart des apports en numéraire, le total des apports en numéraire représente 4 millions de dirhams. D'accord ? Ce qui a été libéré à la création, c'est un million de dirhams. Les apports en nature, ça totalise 1 million de dirhams. C'est 1 500 000 net des 500 000 de passifs. D'accord ? Ça fait 1 million de dirhams. D'accord ? Alors, les apports en nature, on ne peut que les libérer à la Constitution. On ne peut pas se permettre de ne pas libérer. C'est interdit de souscrire du capital en contrepartie d'apport en nature et de ne pas les libérer. En revanche, c'est toléré, d'accord, de libérer partiellement les apports en numéraire. Et donc, on nous a dit que le un quart a été libéré à la date de un quart de l'apport en numéraire a été libéré à la date de constitution, d'accord. Au 1er septembre, la société émet un appel à la libération du deuxième quart des apports en numéraire. Donc, deuxième quart des apports en numéraire, c'est le un quart de 4 millions de dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million supplémentaire. Donc, il reste à libérer combien? Il reste à libérer 2 millions de dirhams. Donc, supposons maintenant que maintenant, le premier, là, on est quoi? On est le 1er octobre. Supposons bien maintenant, le 1er février 2021, la société fait appel, d'accord, à la libération du reliquat. Les 2 millions restantes, qu'est-ce qu'on va faire? On va constater, pareil, la même chose, l'appel. Et ces deux écritures-là qui vont être reconduites selon le même schéma. D'accord ? Le 1er février, d'accord, 2021, Madeleine. Donc, 2 millions de dirhams appelés par la société. Et avant la fin du mois, elle doit être libérée. Tous les associés ont libéré. Donc, le 28-2-2021, tous les associés ont libéré les 2 millions de dirhams. Et donc, voilà, on a libéré, dans ce cas-là, on aura libéré la totalité du capital. D'accord ? Achetons les comptes transitoires qu'on a utilisés. Les comptes transitoires qu'on a utilisés, maintenant, le compte 3462. Le compte 3462, qu'on termine le rythme une fois on fait l'appel. Quand on fait l'appel, voilà, on procède à l'activation du compte 3462. Une fois libéré, on solde le compte 3462, bien sûr, en contrepartie du débit, il y a le compte banque. D'accord ? Un deuxième compte transitoire, et où est le compte 1119. Donc, le compte 1119, c'est quoi? C'est la part du capital souscrit, d'accord, souscrit, non appelé. D'accord? Donc, au départ, la part du capital souscrit, non appelé, la part du capital souscrit, non appelé, 3 millions de dirhams. Donc, peine à le capital, d'accord, ou 3 millions de dirhams de capital souscrit, non appelé. Ces 3 millions de dirhams, ils ont été soldés. Une partie a été soldée au moment de l'appel, 1 million de dirhams, au deuxième appel du 1er septembre. Et le reliquat, 2 millions de dirhams. Le capital est intégralement libéré.